Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, nous vous disons merci de votre sympathique attention partout à travers le monde où vous nous suivez. Nous sommes la VDC, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, et vous nous suivez à partir de New York grâce à la main forte de notre confrère Don Nkaimbé. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, les transporteurs en commun utilisant les engins motorisés ne respectent pas le code des routes ni le tarif du prix des tickets. Les éléments de la police nationale congolaise, département de la police et des contrôles communément appelés roulage, qui sont censés réglementer la circulation, ne laissent pas tranquilles ces usagers. Parmi ces usagers, citons ceux qui utilisent le plus souvent la moto. Ces derniers sont interdits de circuler tard et aussi et surtout à travers les grandes artères de la ville de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Gombe, sur boulevard du 30 juin. Ils réclament des lieux où ils peuvent facilement parquer pour que ces tracasseries cessent à partir de la police nationale congolaise. Nous nous sommes rendus au centre commercial de Kintambo, qui est en jonction entre le boulevard du 30 juin et la commune de Kintambo, la commune de Gombe ainsi que la commune de Ngaliema. Ici, nous sommes entretenus avec quelques-uns. Donc bonjour. Bonjour, pas journaliste. Toujours le bar comme moi, il transport. Mamanzé là, pour le roulage. Bazo dérangé, bisso ma casse. Bambon, ils ont mon thème à propos de transport. Soit tout le monde m'a battu. On a la casquette, on a la casquette. On a mis quand 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 on a mis papa. Il y a sa patou. Soit mon nom comme il se termine, bah, on a mis un arrêt. Toujours aider bah tout pour la transport y a mutuka et zo et comme il passe la mutage dans zela bambon on veut Javier soba na tongo sur le bimi imagine toi ma 6 heures mais soka kuta na roulage à mon aura boya et kati on contact mais comment on peut toujours se pelater comment il faut battre la ronde so à vous en a casque non vous en a casque t bah zo kanga rabiso donc tracer dans zela ma casse faut ma gambo wa mekano pe kote kote la bisou likamo so qui va na pour ça qui tout travail à Kimia, même si nous Mukanda, tout somba, nous sommes tous en ordre. Ceux qui nous donnent, nous sommes en Bakangi. Mais comme nous sommes en Mukanda, nous sommes en Mukanda, nous sommes en casque, nous sommes en casque. Donc, nous sommes juste ceux qui sont en Souka, Wapi. Ceux qui décident de nous faire un peu de temps. Nous sommes en l'État a trouvé une solution à propos de la tracée dans Zela. Ce mien a lu que la bise au Mukanda, mais le casque est au somba. Nous sommes dans Sombi, nous sommes en Bakangi. On a dit, ceux qui sont en route, ceux qui sont en Bakangi, on a raison. Ah, président Zah, toi n'as président à Bissau. Azah est l'homme monté, président va en bazar, va télémi, va en bas et bandeni, y a aussi que ça n'a roulage. Bon, on va contrater, Zah, on a le papa. Au casque, on a la casque, t'es bas au kanga. Tu es évité. Bon, l'État va trouver une solution. À l'ouka disposition, à tes questions, Mikanda, tout somba. Ceux qui ont sombité, n'a pas casque, n'a plaque. Ceux qui ont sombité, on se va kanga, Azah a raison. Mais pour le moment, ceux qui ont un casque, ont un casque, t'es bas au kang, ont un micro, un micro, t'es bas au kang. Mais tu es habité. Ceux qui ont mis ces casques, ont un micro, t'es au son, bah la biso. Yo, quoi, papa? Au son, moi là. Il faut toi, bah là. Il faut toi, bah là. Toi, au kang, la biso, la bango. Pas biso, toi, attendez là. La roulage, chauffeur, bah, attendez là. Mais il faut que l'on ait ça là. Bah, on va kang, ils ont un casque. Ils ont un casque, t'es. Ils ont un micro, t'es bas au kang. Il faut retrouver ce soit ici l'état bim sa loi l'état bim sa loi ce qui a mis sa mikanda plaque nini casque on a la droit somme dans la honte bazar droit kanga mais pour le moment bah au côté t on a la casque on a la casque t bazo kanga on a mikanda kanga bazo kanga mais tu veux dire l'état va trouver une solution on me casse la gueule moto casque t bazo kanga t mais moto kaka moto à 6 heures bazo kanga bisoto kanga kabango nyonso ezala mituka. Et ça, la banque, quand tu bats ton moto, tu n'as ni permis, ni carte rose.
batu batu amabe ya kosala desordre na kati ya mboka weza batu wa moto. Bazo tele manesika nyonso bango balingi. Tala nanu yo moko filme wo bazasi manenga batelemi. Batelemi nesika moko te. Bango bakose la kaka baroulaji makambo. Biso to sala ka musala na biso leta tindi biso. Oya to simi be kwa leta te tozo kangaye. Eza la mutuka. Eza la moto awa na kitambo batye parking te. Babenga hotel de ville. Gouverneur a tiré le bango parking pour avoir besoin de crier embouteillage chaque temps. Soit au commis 18 heures, bango moko babandi côté le manzela mobimba, bazo to sate. Totika bango bien to kanga bango. Hein, l'état perd le bito sala musala, biso peto golemba bango te, et sengeli to kanga bango. Tala bango nyoso, yo moko zo filmer, zo mona bango, na kati anzela. Siko soto kangi bango to za batu mabe. Ozo mona yo moko. Bolingi kako lo bapona ba roulage. Roulage azo sala musala akanga mutu ka babandi ko filme. Est-ce que bazo filme? Est-ce que mutu asali mabe? Azana permite ka autorité bakangie yo population bandi ko filme. Eza ndenge nini? Musala ngwe komi ya bango kaka tokanga mutu baya ko filme. Mutu asali mabe bakanga ye baye ko filme. Bazo tindele pe bakonzi na biso, bakonzi bandi makate batu basali mabe. Tala yo moko ndenge bazali. Ozo mona. Prendre deux personnes en moto, ce n'est pas un problème grave. Parce que ici, avec notre moto de marque Boxer, il y a des pieds. C'est juste pour deux personnes, ce n'est pas pour une personne. Il y a des motos concernant pour une personne et d'autres pour deux personnes. C'est sécurisant. Et puis, si vous voyez notre chaise, c'est très long. Par rapport aux autres motos de la marque de conduite personnelle. La nôtre ici sont des motos vraiment très longues, donc c'est sécurisant. Ce qui n'est pas vraiment bon pour nous les motocyclistes, c'est quoi? C'est quand nous conduisons des motos en babouche. C'est ça la raison. Mais ce n'est pas question de tracasserie si vous arrivez ici, au parking quittant mon magasin. Bon, les roulages donnent raison que nous n'avons pas de parking. Mais par contre, les voitures ont des parkings et non nous. Ceux qui veulent pour tracasser ici, c'est toujours des motocyclistes. Bon, nous demandons, je ne sais pas si l'hôtel de ville peut créer pour nous aussi le parking pour les motocyclistes. Parce que... Bon, si on nous exige pour payer ça, on ne doit plus refuser. On va payer. S'il y a des casques réservés pour les motocyclistes, on va acheter. Ce n'est pas. Après, nous nous sommes rendus sur le carrefour Batetela. Là, nous sommes au cœur de la ville de Kinshasa. C'est dans la commune de la Gombe. Sur le boulevard du 30 juin, c'est une cacophonie terrible. Malgré la poursuite des travaux de la construction des sans-moutons au niveau du rond-point Sosimat, les usagers des motos comme ceux des camionnettes ne respectent rien. Un client s'explique. Par rapport à ce qu'on est en train de voir ici, et ce qu'on a vécu là où on vient, vraiment c'est très différent. Ici à Kinshasa, il y a beaucoup de désordres. Pourquoi à ce qu'il est ici comme désordre, les gens ne respectent pas les codes de la route. Donc tout le monde fait ce qu'il veut par rapport à ce qu'il voit. Donc, il faut que le gouvernement s'occupe de ça. Par rapport aux embouteillages, nous, les étudiants, vraiment, on souffre beaucoup. On souffre beaucoup. Nous, on remet par rapport aux profs fixés. L'été qu'on fait est déposé ça à 8h30. Mais les embouteillages, ils amènent jusque même à 9h. Vraiment, nous sommes en train de souffrir. Et le gouvernement voit ce qu'il peut faire à ce qui concerne nous. Les autres, ça devient un problème pour nous. Pour la police des roulages, il n'y a pas de respect.
ce sont des motards qui sont impliqués dans plus de malfaisances à travers la ville-province de Kinshasa. Ils ne respectent personne. Écoutons cet élément de la police spéciale de roulage. Le constat qu'on a fait ici, et les gens ne veulent pas arriver là où il y a la construction du saut des moutons. Ils font n'importe quoi ici, ils ne respectent jamais la code de la route, ils veulent faire n'importe quoi, voire même passer par les sens uniques. De l'autre côté, même si le régulateur est en train de réguler la circulation, ils ne veulent pas suivre l'évolution et suivre la régulation. C'est ce qui nous fait mal. Et en plus, il y a des passagers qui sont là, même si on les dit d'aller là où il y a l'arrêt, là où on a écrit arrêt batété, là, les gens ne veulent pas. Ils veulent seulement rester là où il y a, disons, dans le courbis. C'est ce qui nous fait mal. Et les gens ne nous écoutent pas. Les gens ne veulent pas suivre l'accord de la route comme il faut. Alors, ils veulent chaque fois, quand il y a l'embouteillage vers la construction des sauts des moutons, Sosimat, lui veulent seulement aller de l'autre côté vers le sens scénique. C'est ça la difficulté qu'on a ici. Alors, on demande à ce que l'État puisse recycler les non-conducteurs pour respecter d'abord la régulation des agents qualifiés sur la grande route, sur la chaussée, et suivre ce que la code de la route nous dit. Et les autres circulent comme élevés. Même les autres suivent, même dans des dalles, ils ne peuvent pas respecter la loi de notre pays. C'est ce qui nous fait mal. Merci bien. On est en train d'arrêter les motards parce qu'on a interdit la circulation de motards sur le boulevard et surtout sur la commune de la Gombe. C'est interdit. C'est pourquoi on est en train de refuser la circulation des motards. Donc quand on les arrête, on les envoie au bureau, et on les entend sur le PV pour savoir s'ils payent l'argent. Ils payent à la DGRAD au compte de l'État. On ne peut pas punir la moto. La moto, c'est un engin. On punit quelqu'un qui a... On punit les conducteurs, ils payent ses amendes comme prévu par la loi. De quel ordre à quel ordre? Mais au bureau, il y a une nomenclature des amendes. Ce n'est pas ici qu'on peut parler des amendes. C'est au bureau, parce qu'il y a une nomenclature des amendes transactionnelles. Ici, vous ne nous avez pas donné le parking. Nous ne troublons pas l'ordre public. Ils viennent que pour gagner de l'argent. Une fois saisir une moto, premièrement, ils demandent l'argent. Pourquoi ils ne veulent pas aller au bureau? Oh, solo là, Kende Mupanzi solo là. Ils donnent toujours raison, oh, vous trouvez l'ordre public. Est-ce qu'ici à Kitambo, il y a des parkings pour nous les motocyclistes, non? Voyez. Bonjour, je suis de Oloba. Je suis là, c'est ça le problème. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Derrière la caméra, Théodore Bobrin Bakatuila, je suis Raphaël Tchananga et je dis merci à Don Kaimbe et José Kapajika pour la réalisation et la coordination. Merci, nous allons nous retrouver prochainement pour un nouveau numéro.